Cette vidéo est sponsorisée par les éditions Saint-Père. Bonjour tout le monde! Hop là! Intégration un peu particulière pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, donc, les Castors Juniors présentent les bonnes recettes de grand-mère Donald à remporter le tournoi pour le collecteur spécial Vos Suggestions. Et je me suis engagé auprès de vous à faire une recette avec plus de 5 ingrédients, je crois que j'ai dit, et vegan parce que je suis végétalien. Et je vais profiter de faire cette recette du potage aux cailloux sans cailloux pour vous parler de la sponsor de cette vidéo, les éditions Saint-Père. On va couper les légumes en petits morceaux. Et ouais, donc restez pour cette intégrale s'il vous plaît, parce que d'une part pour voir si ça va être bon, hein, ce qu'on va faire. C'est mal barré. Et parce que pour le coup c'est vraiment une intégration particulière, et je vous explique à la fin de l'inté pourquoi c'est une intégration particulière. Je vous le dis rarement parce que quand je vous le dis, je tiens à ce que ce soit vraiment quelque chose que je pense. Je suis très content d'être sponsorisé par les éditions Saint-Père. D'une part parce que bah, ça parle de bouquins, et comme vous pouvez le constater, les bouquins c'est un peu le truc important hein, dans cette émission. Et surtout parce que les éditions Saint-Père sont vraiment trop classe. Ils publient des reproductions de manuscrits. Je vais me couper la main. Attention, faites pas comme ça les enfants. Ils publient donc des manuscrits de livres tels qu'écrits à la main par leur auteur ou autrice originale. Et donc je trouve leur taf absolument dingue, à tel point que pour vous donner une idée, ils ont 48 livres dans leur catalogue en ligne, et quand ils m'ont proposé de m'en envoyer un, j'ai hésité entre 4 ou 5. Ils disent couper en petits morceaux mais ils précisent pas les morceaux. Donc ouais, j'ai hésité parce que beaucoup d'entre eux sont en anglais, hein, forcément. Et d'autre part parce qu'il y en a qui sont pas évidents à lire, parce qu'il y a des auteurs et des autrices classiques qui ont un peu une écriture de médecin. Prenez par exemple Oscar Wilde et essayez de ne pas vous couper les doigts. Il est bien mignon, mais c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois, une lettre tous les 2 km, non, tu vois, ça c'est un truc que je ne peux pas lire par exemple. Hop. Alors, vous vous demandez peut-être comment ils font. Donc je vais vous parler du cas de l'un des romans qui est passé dans cette émission. C'est un roman que j'aime beaucoup et qui a rejoint leur catalogue en novembre 2022, ce couteau est trop grand. Il s'agit de 1984 de George Orwell, donc vous m'avez entendu en parler, je vais faire des morceaux plus gros. Donc oui, 1984. À la mort de George Orwell, sa veuve a rassemblé des feuillets qui s'avéraient être le manuscrit de 1984. Et là, on va voir si j'ai une bonne mémoire. Donc la veuve de George Orwell a confié le manuscrit de 1984 à une vente de charité, qu'il a vendu à un éditeur new-yorkais, qu'il a ensuite vendu à un collectionneur de livres rares, et ce collectionneur de livres rares a offert cette première édition, ce manuscrit de 1984 à l'université de Brown à Providence dans le Rhode Island. Donc cet ouvrage 1984, comme tous les livres du catalogue des éditions Saint-Père, c'est une version graphiquement restaurée de l'original. Chaque exemplaire est assemblé dans un coffret, assemblé à la main, et numéroté de 1 à 1000. Par exemple, là, moi, j'ai... je vous parlerai tout à l'heure du livre que j'ai. Tomate. Donc, vraiment, quand on y réfléchit, c'est pratiquement la reproduction d'une pièce de musée que vous tenez dans vos mains. Et je trouve ça méga classe. Donc là, normalement, mon bordel, c'est censé cuire pendant 2 heures. Donc vraiment, on a le temps, je suis un peu en avance sur le planning, mais bon, parlons Noël qui arrive. C'est plus ou moins l'occasion d'offrir des cadeaux, je sais pas si vous êtes au courant de ça. Et donc, si vous avez des amateurs de beaux livres dans votre entourage, c'est une méga bonne idée. Moi, par exemple, je vois mon père, il est super fan de Lovecraft. Eh ben je suis deck parce qu'ils ont pas Lovecraft dans leur catalogue, voilà. Bon, ça c'est des choses qui arrivent, mais j'ai d'autres proches qui sont fans d'autres livres. Donc voilà, bon, j'évite de vous en dire plus, parce que Noël, surprise, tout ça, bien sûr, c'est vraiment une très bonne idée de cadeau. Moi, je me suis offert Frankenstein de Mary Shelley. Ils disent un peu de persil, mais j'adore le persil, je vais mettre tout le persil, j'en ai rien à foutre. Alors, autant Mary Shelley, donc, j'ai beaucoup de mal à la lire, je vais pas prétendre le contraire, mais je trouve que son écriture, la façon dont elle écrit, donc pas son écriture dans le sens style d'écriture, mais vraiment son écriture dans le sens calligraphie, quoi, sa façon d'écrire, épouse vachement bien l'ambiance de Frankenstein. Et même si jamais la littérature c'est pas vraiment votre truc, ils ont aussi la théorie de la relativité générale d'Einstein telle qu'écrite de la main d'Einstein. Ils ont aussi le dernier catalogue de Mozart, enfin retranscrit de la main de Mozart, et le carnet dans lequel il a compilé les œuvres achevées
des 10 dernières années de sa vie. Et si jamais les livres sont trop chers, parce que c'est un budget, hein, je vous cache pas que c'est un budget, et que c'est pas à la portée de toutes les bourses. Donc si jamais les livres sont trop chers, viens par là le persil, ils ont aussi des cadres dans lesquels ils mettent plein de trucs sympas, genre le texte du déserteur de Boris Vian, genre le portrait de Jeanne Duval de Baudelaire, genre des images des dessins de Jacques Prévert, ils ont des poèmes d'Apollinaire, ils ont oui, les dernières volontés de Shakespeare, c'est vachement c'est pour un fan de Shakespeare, c'est je trouve ça énorme quoi, je trouve ça génial. Donc voilà, on a pas trouvé du frais, donc on va faire avec ce qu'on a, hein, écoutez. Ça faut que je mette une branche, c'est ça? Oh, bah un litre. Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui sais pas. Quelqu'un n'a pas lu la recette. Ah oui, lisez bien la recette. Tu veux une plus belle branche, mais je t'offrirai la plus belle des branches de céleri. Non, mais c'est peut-être bon, enfin, c'est peut-être bon. Non, c'est dégueulasse, c'est du céleri. La raison pour laquelle c'est une intégration particulière, la raison aussi pour laquelle je mets 15 ans à vous en parler et j'assume, inutile de me dire que l'intégration est trop longue, je sais et je m'en fous, parce que pour le coup je tiens vraiment à cette intégration-là, c'est parce que je ne touche pas de seuil fixe pour la première fois, donc c'est la première intégration que je fais où je suis littéralement payé un pourcentage des ventes que mon intégration suscite chez vous. Il est tout à fait possible que cette intégration ne me rapporte rien, à part un potage de merde. Mais là, les éditions Saint-Père, je trouve leur concept tellement cool, je trouve qu'ils font tellement bien leur taf, je suis prêt à prendre ce risque, parce que c'est, voilà, c'est, je crois en leur, je crois en céleri. Donc voilà, si vous voulez soutenir les éditions Saint-Père, si vous voulez offrir un super cadeau de Noël, et si vous voulez me soutenir moi par la même occasion, cliquez sur le lien dans la description, j'insiste là-dessus, ce qui est important c'est le lien dans la description, comme ça ils savent que vous venez d'ici, ils savent que c'est efficace et c'est ça qui me rémunère sur cette intégration là. Donc je vous invite à découvrir leur catalogue, ils ont plein de livres, vous en trouverez, hop là, forcément à votre goût, et en plus ils livrent super vite. Ah, livre. Et donc là je suis un peu emmerdé parce que j'ai déjà fini mon inté et j'ai pas du tout fini ma recette, parce que alors là, donc ce qui va se passer c'est que là je vais faire revenir tout ça un petit moment dans une casserole avec de l'huile, un petit moment, je me démerde. Ajouter l'eau et saler, ajouter le bouillon concentré et porter à ébullition, baisser le gaz et laisser cuire pendant 2 heures, ajouter les pâtes ou le riz, une vingtaine de minutes avant de servir. Je vais faire tout ça, et on se retrouve tout à l'heure pour voir si c'est réussi. Et nous voilà 2 heures plus tard, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer. Hop là. Donc voilà, moi j'ai la version 860 sur 1000, enfin la version. Le numéro d'identification 860 sur 1000. Et donc voilà, c'est vraiment la reproduction du texte de Shelley, écrit par Shelley. Et le fait qu'il y ait les ratures, je trouve ça vraiment trop cool. Notamment, je repense au portrait de Dorian Gray. Je sais qu'il y a des passages qu'il a enlevés à cause de la censure, parce qu'on lui a dit que c'était trop ouvertement homosexuel, parce que c'était ouvertement homosexuel, je sais plus quel personnage fait une déclaration d'amour à... Je crois que c'est Basile qui déclare sa flamme à Dorian, je crois. C'est des passages qu'il a enlevés et qu'il a rayés. Et du coup, je me demande si dans le livre des éditions Saint-Père, il y a ces passages-là raturés. Mais cela étant dit, voilà, les éditions Saint-Père, c'est chouette, mais on a fait un potage au caillou. Allons voir ce que ça donne. Franchement, j'y croyais pas au début. Au fur et à mesure que ça cuisait, j'y croyais de plus en plus. Ça sent bon. Ça, c'est... Ça sent très très bon. Ça fait très popote à mamie, hein. Cuisine de l'ancien temps, généreuse. Ah, on va bien dormir, là. Bah, je vais goûter, les gens sont là pour savoir ça aussi, hein. Faire un potage avec des pâtes et des patates, c'est un truc y a que grand-mère Donald pour oser. C'est comment? C'est bon? Ouais. Alors, ça tient bien au corps, mais ouais, c'est un goût de potage avec des vermicelles dedans. C'est très bon, voilà. Bon, bah, c'est une réussite! Victoire! Tout le monde est bienvenue dans ce coin lecture de décembre, première partie spéciale. Vos suggestions, je vais lire les livres qui ont remporté le tournoi
pour voilà, le coin lecture spécial, vos suggestions. Vous savez comment ça fonctionne. L'année prochaine, il y aura encore un concours, mais il y aura beaucoup moins de règles arbitraires. Ce sera beaucoup plus basé sur vos votes. On verra l'année prochaine. Toujours est-il qu'il n'y a aucune chance qu'un livre tel que celui que vous avez effectivement amené jusqu'à la première place. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. Écoutez, je ne sais pas ce qui vous est passé par la tête, mais les Castors Juniors présentent les bonnes recettes de Grand-mère Donald, dirigées par Mario Gentilini, traduit par Antoine Elia Icar. C'est un hors-série de Mickey Magazine, ou les Castors Juniors Magazine, je ne sais pas. Chez le même éditeur, le manuel des Castors Juniors, enfin voilà, c'est un hors-série. Blague à part, pour ceux qui ne savent pas pourquoi ce livre est à la tête de vos suggestions, c'est parce que quelqu'un l'a suggéré, ça voilà, et avec la pondération des voix qui n'existera plus l'année prochaine, il s'est retrouvé avec relativement peu de voix, mais qui ont compté relativement plus. Les voix pour les livres moins connus comptent plus que les voix pour les livres très connus, pour éviter que ce ne soit que des classiques qui gagnent. L'année prochaine, c'est que des classiques qui vont gagner, c'est pas grave. Et donc voilà, et le fait qu'il soit retrouvé dans le tournoi, j'ai blagué en disant « S'il est dans le tournoi, je veux qu'il gagne. » Et il a gagné. Et du coup, je l'ai lu. Et si tout va bien, j'ai fait une recette pour l'intégration de cette vidéo. J'espère, sinon cette partie sera coupée au montage, ça arrive. Alors, bon bah, on va en parler. Alors, c'est un livre qui date de 1972, je crois, qui n'a pas été réédité. Donc là, j'ai une antiquité dans les mains. Enfin, l'antiquité, ouais, c'est 72. Antiquité toute relative. On avait marché sur la Lune 3 ans avant ce livre. Voilà, pour vous donner une idée de l'âge du truc. Et littéralement ce livre, c'est-à-dire pas... parce que j'ai lu des livres qui datent d'avant 72 évidemment, mais pas qui... Le livre physique date de 72, c'est très rare que j'ai des livres aussi vieux. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Parce que finalement on est là pour parler de ça. Alors en tant que livre de recettes, malheureusement, c'est un peu de la daube. Je lui ai mis quoi? Je lui ai mis Sablier sur 20. Sablier sur 20 parce que, bon, c'est un peu un témoin de son époque. Est-ce que je peux vous trouver rapidement? Ah, bah, nickel. Je peux vous montrer, par exemple, comment les petits Asiatiques sont représentés dans ce livre. Bon, au-delà du chapeau chinois, moi, c'est surtout le fait que, comme Mickey a la peau blanche, bah, Mickey Asiatique, il a la peau jaune. Bon. On est sur du bon racisme ordinaire des années 70 qui... Voilà, c'est bien que ça n'existe plus. Enfin, c'est bien... dit-il, ah, heureusement, on a résolu le racisme, parce que sinon... Non, c'est bien que ce soit un peu moins décomplexé dans des trucs destinés aux enfants. Voilà, ce que je voulais dire par là. Il y a aussi des riri fifi loulou avec des chapeaux, chapeaux chinois. Et jaune, parce que les riri fifi loulou normaux sont blancs. C'est pas le genre de truc que tu t'attends à dire à propos d'un livre de recettes. Mais alors, en termes de livre de recettes même, qu'est-ce que ça vaut? Alors d'une part, c'est très mignon. Il y a beaucoup d'anecdotes historiques précédant les recettes. Je vais vous en lire une au pif. Cher Orange, savez-vous quel est le fruit le plus cher du monde? Un castor junior vous répondra sans hésiter: la bergamote, pardi! Mais pas la poire évoquée en page 31, parce qu'il parlait de la bergamote avant. Il s'agit d'une orange, appellation scientifique Citrus bergamia, particulière qui ne mûrit qu'en Calabre, dans le sud de l'Italie. Son prix, 60 francs le kilo. 60 francs ? Ce qui en met cher... Il y a tellement de gens qui ne doivent même pas avoir connu les francs dans les gens qui regardent cette vidéo. Ce qui en met cher le quartier. Mais voilà, la bergamote, entre parenthèses l'orange, ne se mange pas. On tire de son écorce et de son jus. Mais oui, Jamy, une essence de grande valeur, utilisée dans les meilleures eaux de Cologne et les parfums les plus cotés. Venue elle aussi de Chine, l'orange, très appréciée en raison de son intéressante teneur en vitamine C, était inconnue en Amérique en 1568, date à laquelle le premier oranger fut introduit dans ce pays, bien sûr. Aujourd'hui, les États-Unis sont les premiers producteurs d'oranges du monde, avec quelques 15 milliards de kilos par an, en majeure partie récoltés en Californie. Vous voyez, c'est intéressant. Le seul problème que j'ai, c'est que la seule fois, les deux seules fois où j'ai voulu vérifier ce dont il parlait, c'était des conneries. Et bon, je vais vous lire ce que j'ai. Donc vous pouvez retrouver mes notes de lecture dans la description de cette vidéo. Là, je lis un encart qui parle de Nicolas Appert, donc l'inventeur de la conserve, et le livre dit que c'est quelqu'un d'autre à qui on doit le fait que les boîtes de conserve soient transportables grâce à l'invention de la boîte en fer blanc, et que ce quelqu'un serait un certain Anastase Colin. Je me suis dit, ça c'est marrant, parce que Nicolas Appert, j'en ai entendu parler, Anastase Colin, inconnu au bataillon, je google son nom, rien du tout. Et j'ai écrit, je vous cache pas que depuis le début, j'ai un peu l'impression que le livre est léger sur ses sources historiques, mais s'il raconte des conneries pures et dures, là on passe à une autre catégorie. Que ce soit pas très carré niveau source, bon,
tu lis les Castors Junior présentent les bonnes recettes de grand-mère Donald, je ne m'attends pas non plus à... Voilà. Mais si c'est des... Si c'est juste... avez-vous entendu parler de Didier Bergamot qui a inventé le fil à couper le beurre dans les années 1860 là, bon... Bon, du coup, je peux faire confiance à aucune anecdote, donc du coup, ça, c'est très mignon, mais ça n'a aucune valeur historique. Mais qu'en est-il des recettes, me direz-vous ? Alors, le livre souffre énormément du fait de ne pas avoir de photos. Je sais pas vous, mais si j'ai pas le visuel des trucs, j'ai eu plusieurs fois l'impression de me dire « Mais on l'a déjà lu, cette recette-là, on a déjà fait ça, la recette, quelque part. » Du coup, en tant que livre de recettes, c'est pas super. Ensuite, il précise pas les thermostats pour le four, et des fois, pas la durée de cuisson non plus. C'est pas très... carré, quoi, comme livre de recettes. Là encore, les Castors Junior représentent les bonnes recettes de grand-mère Donald. Oui, fait rigolo, il est très ambigu au niveau de son rapport à l'alcool, ce cher livre, parce que il fout de l'alcool partout, en répétant régulièrement « Attention, l'alcool, c'est pas bien. Attention, l'alcool, c'est dangereux pour la santé, puis ça fait faire des conneries aux gens. Hein » Mais ils en mettent dans la salade de fruits, mais du cognac, je crois, dans la salade de fruits, 71, je vais vérifier. Voilà, vive la Macédoine. Il existe une affinité de recettes de Macédoine de fruits, tous ont entre elles un point commun, elles exigent d'être arrosées d'un jus de citron, blablabla. La Macédoine dans le vent. En partant de la recette de base, il vous sera toujours possible d'agrémenter vos Macédoines de fruits avec différentes liqueurs, par exemple, une part de vermouth blanc, une de martini rouge, et une autre de Cointreau. Bon appétit! Du Porto, auquel cas il serait préférable d'ajouter un jus de citron, ça va mieux avec le Porto les enfants. 3 parts de vermouth doux et une de rhum. Le bon rhum, vous pouvez également recouvrir entièrement les fruits de jus de citron et ajouter un petit verre de gin. Je sais pas à qui c'est... Je comprends pas ce... J'ai noté page 103, la recette du franc léger, je vois pas l'intérêt, ça a l'air dégueulasse. 103... Parce que quitte à parler d'un bouquin de cuisine, autant y aller. Le franc léger. 1 litre d'eau, une grosse pomme, 6 châtaignes séchées... Enculé. 4 figues sèches. Épluchez et coupez la pomme ainsi que les figues. Faites bouillir avec les châtaignes dans 1 litre d'eau jusqu'à ce que tout se dilue. Passez et buvez bien chaud. Ajoutez éventuellement du sucre pour les becs sucrés. Point de suspension. Tu dissous vraiment une pomme, 6 châtaignes et 4 figues dans de l'eau. Moi, ça me semble pas terrible. Voilà. Donc, globalement, c'est pas un bon livre de recettes, quoi. C'est pas un bon livre de recettes. C'est vite fait rigolo, surtout malaisant. Le fait qu'il y ait des anecdotes, c'est mignon, mais le fait que les anecdotes soient pas... on puisse pas leur faire confiance, tu sais pas trop quoi en foutre. Il y a beaucoup de recettes très différentes, tu sais pas ce que t'as dans les mains. Ça donne pas l'impression d'avoir été très carré au niveau de la production. Mais là encore, on parle des bonnes recettes de grand-mère Donald. Donc, voilà. C'est quelque chose d'un autre temps, ai-je noté. C'est rigolo à regarder une fois, mais tu vas pas t'en servir pour ce pourquoi ça a été pensé, parce que c'est trop imprécis à cet égard. Un peu comme un sablier, donc ma métaphore fonctionne très bien. Je vais pas dire que j'ai été déçu parce que j'en attendais pas grand chose, c'était plus un rigolol pour rigoler. Rassurez-vous, l'année prochaine, on ne rigolera pas du tout dans le tournoi pour le Quoi Lecture Spécial Vos Suggestions. Deuxième place dans le Quoi Lecture Spécial Vos Suggestions, La Vague. Donc La Vague qui a été vaincue par les bonnes recettes de grand-mère Donald, de Todd Strasser. Faut que j'arrête de dire Strasser, c'est pas allemand, c'est... américain. Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur d'histoire, crée un mouvement expérimental au slogan fort « La force par la discipline, la force par la communauté, la force par l'action ». En l'espace de quelques jours, l'atmosphère du paisible lycée californien se transforme en microcosme totalitaire. Avec une docilité effrayante, les élèves abandonnent leur libre arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau leader. Quel choc pourrait être assez violent pour réveiller leur conscience et mettre fin à la démonstration ? Un coup de boule dans le nez ! Et je lui ai mis... Je reconnais pas mon emoji, c'est quoi ça? Ah bah c'est prof sur 20, je suis pas cassé le cul. Alors, l'histoire de ce livre, à la base c'est une vraie expérience qui a vraiment eu lieu aux États-Unis. Ils en ont fait un téléfilm américain, donc basé sur cette expérience. Ce téléfilm est devenu ce livre, toujours américain. La raison pour laquelle je précise américain, c'est parce que ce livre a été adapté en film allemand sur Netflix, sauf erreur de ma part. Le totalitarisme allemand a inspiré une expérience américaine qui a inspiré un téléfilm américain, qui a inspiré un livre américain, qui a inspiré film allemand. Comme quoi, hein, la boucle, n'est-ce pas? La boucle est bouclée. J'ai vu le film avant de lire le livre, je savais même pas que c'était un livre. D'emblée, il y a un truc, moi, qui m'est venu directement pour les deux œuvres, c'est que j'ai beaucoup de mal à y croire. Le fait que ce soit une expérience qui soit arrivée dans la vraie vie n'aide pas à accepter l'idée que, en quelques jours, une classe est passée de vaguement indisciplinée à troisième fucking Reich. Mais vraiment, en une poignée de jours. Dans les deux œuvres, t'as vraiment l'impression que
Au départ, ils sont un peu surpris, mais ils se prêtent au jeu. Et puis ils se prêtent au jeu très sérieusement très vite. Et j'aurais bien aimé savoir comment ça s'est passé dans la vraie vie, parce que j'ai beaucoup de mal à croire que ça a été aussi, aussi immédiat, aussi facile, et puis surtout aussi intensément... BAM quoi. BIM dit-il, cherchant ses mots, péniblement. Par contre, et là aussi, très bon point dans les deux œuvres, j'ai beaucoup aimé que les élèves ne soient pas les seuls à se laisser prendre au jeu, ne soient pas les seuls à devenir dangereux avec ce truc-là, parce que le prof aussi se laisse prendre au jeu du pouvoir. C'est-à-dire qu'il se dit, alors, sous couvert de « Oui, j'aimerais bien voir jusqu'où va l'expérience, j'aimerais bien voir à quel point je peux reconstruire le Troisième Reich », ce qui n'est pas un truc que tu dois te dire jamais dans ta vie, finalement. Et donc, voilà, et donc le prof va se laisser avoir, mais surtout parce qu'il est fasciné par cette aura qu'il dégage. Lui-même se transforme, lui-même a l'impression d'avoir un pouvoir et il kiffe. Et ça c'est intéressant, puis c'est, ça donne une autre dimension un peu au livre. C'est pas juste, regardez comme il est facile d'instaurer la dictature, faites attention. C'est plus, à jouer au jeu du pouvoir, tout le monde peut y perdre. Par contre, le livre a un peu tendance à être, et c'est un truc qu'on va dire souvent ce mois-ci, le livre a un peu tendance à être didactique, c'est-à-dire qu'il te prend vraiment par la main. L'écriture est destinée à des ados, à des jeunes adultes. Plusieurs fois, t'as des phrases genre « Mais après tout, ce n'était qu'une expérience, non ?» Ou bien « Après tout, il avait encore le contrôle de sa classe, n'est-ce pas ?» Comprends-tu le sous-entendu ? Il n'a pas le contrôle du tout ? Est-ce que tu sais lire entre les lignes? Et ouais, du coup, bon, quand t'es un lecteur adulte, tu te dis, ça va, oui, c'est bon, je l'ai, merci, merci. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre aussi souvent? Ah oui, quand ils voient les trucs changer petit à petit, les personnages qui donnaient des réponses intelligentes en cours, ou des réponses argumentées en cours, d'un coup ils donnent des réponses plus courtes et moins argumentées. C'est inquiétant, non? C'est comme si la vague était une... mauvaise chose. Un peu frontal, quoi, dans sa façon d'aborder la problématique. Ouais, dans ma conclusion, là, j'ai noté que c'est une bonne chose, en fait, que j'ai du mal à y croire, parce que les gamins ont du mal à y croire aussi dans le roman. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais non, mais ça n'arrivera jamais, ça peut pas arriver, pas aussi vite, pas aujourd'hui, pas après ce qu'on sait, quoi, c'est bon. Alors, le fait que j'y crois pas, tu vois, il y a une mise en abîme un peu vertigineuse, un peu... t'as raison, n'y crois pas. C'est arrivé dans ton monde, pas plus tard que dans les années 60... peut-être 80, j'allais dire 70, mais peut-être 80. Mais vas-y, n'y crois pas, y a aucun souci. Donc ouais, non, c'est plutôt pas mal. La raison pour laquelle je mets prof sur 20, c'est parce que... Alors, c'est intéressant, mais ça s'adresse surtout à des ados. C'est le style s'adresse vraiment à des ados. Est-ce que faut préférer le livre ou le film? Franchement, le film est une adaptation très fidèle. La fin est un peu différente. Je préfère la fin du livre, et ça va être délicat de vous expliquer pourquoi sans parler d'éléments qui sont à la fin, donc on va pas spoiler, on va juste dire, le livre finit de façon un peu plus, on va dire optimiste. La peur de l'escalade est la leçon à retenir, voilà. Le film va un peu plus loin, il met des conséquences, voilà. Plus dur que le livre s'arrête avant les grosses conséquences parce que la peur des conséquences est suffisante comme leçon. Et je préfère cette approche-là parce qu'après tout, c'est jamais qu'une expérience sociale. Pour moi, ça me semble plus cohérent. Après, il y a quand même des conséquences, évidemment, parce qu'il transforme sa classe en dictature, et à un moment donné, il faut pas déconner. Voilà, donc c'était les deux premières œuvres du coin lecture de décembre. Décembre spécial, vos suggestions. Se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du Silmarillion de J.R.R. Tolkien et de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. D'ici là, je vais vous laisser avec la question à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires, qui est une question, je sais pas pourquoi je regarde là, gloire au canard, oui tout à fait, qui est une question à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires, et qui est une question que je trouve rigolote, parce que bah, c'est un style de livre dont on aura peut-être plus jamais l'occasion de parler dans les coins lectures. Donc je vais vous demander, est-ce qu'il y a un livre de recettes de cuisine que vous kiffez particulièrement? Parce qu'il y en a plein, personnellement j'en ai peut-être une vingtaine à la maison, que j'ouvre jamais pour faire une recette, que j'ai parce que je regarde les images, je m'inspire des recettes pour faire des trucs. Donc voilà, si jamais il y en a dont vous avez envie de parler dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire dans ceux de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à la semaine prochaine pour la suite. Bisous.